Salut, salut mes petits fous, on se retrouve pour l'épisode 5, si je ne me trompe, ouais c'est ça. Wow, qu'est-ce qui se passe? Quel bordel! Ok, le camion de poubelle vient d'exploser. Et puis on va commencer les missions tenue légère, où j'étais censé me retrouver en prison, si j'ai bien compris. Acte 1, tenue légère. Le centre correctionnel de Pelline. Ah. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Bouge pas! Lève ton arme! Alter, tout de suite! Non, derrière la tête! Allez. Carrément. Il y a toujours dit qu'on est quitte. Bouge pas. Pierce. Aiden. Joe Smith. Ok. Je m'appelle Joe Smith désormais. Et j'ai une de ces belles tenues oranges que tous les prisonniers américains ont. Ah, du papier cul. MDR. C'est quoi? Je vois pas trop la marque. Je pense que c'est une marque qui n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Je vois pas trop. Ouais, bon, c'est pas écrit en français, bien sûr. Ah là c'est écrit. Je vois rien du tout. Raid, je connais plus, je suis nul en anglais. Hey, je te l'ai déjà dit mec. Tu comprendras quand t'auras un surin planté dans le dos. Ouais, c'est ça. Allez rentre là-dedans. Eh hey, enculé, j'ai demandé 20 minutes de pause, putain. Ferme ta gueule. Allez bâtard. Caméra. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Il faut que j'aille là-bas pirater un truc, ok. Ouais, mais... Caméra de lui. Il descend pas? Non, il descend pas. Ok. Ah bah, je suis juste à côté. Si j'arrive à pirater d'ici, ça serait cool. Ah, je peux pas. Si? Non? Non, je peux pas. Tant pis. Ah, il monte en haut, carrément. Ok, j'ai essayé. Ah merde, j'ai raté. Voilà. Parce qu'il descend. Là aussi, il est monté. Ah, c'était là. Ah, je peux pas. Il y a une caméra. Piraté. Voilà. Ah, d'accord. Jordi, je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con. C'est toi qui devrais être ici. C'est ta faute, tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je descends. Je vais chercher le planning des prisonniers. D'accord. Je te rappelle plus tard. Bien, je suis carrément en prison. Merde, ah putain. Je vais essayer de le préviser. Voilà, un au moins. Putain. Merde, non, non. Oh merde, ils m'ont vu. Putain. D'accord. Faut pas que je me fasse voir. Bah tant pis, on recommence. Je vais même pas regarder si j'avais des armes, je pense pas. Ce serait trop simple. Non, j'ai pas d'armes. Touche inexistante. Putain de merde, je commence déjà. D'où ce con. Je vais le laisser en vie parce que j'ai pas envie de me faire choper. On s'est retourné. On va aller au moins jusqu'à là. Attends, je vais essayer de les... Voilà, mettre comme ça, comme ça je les vois à travers les murs, je sais où ils sont. À la roue, caméra. Ah, il y en a un là.
les systèmes. Il y a des caméras et tout, c'est pas mal. C'est un peu mal foutu, je crois. C'est extrêmement flou. On continue, hop, on va jusqu'à là. On continue, jusqu'à là. On continue, jusqu'à là. Puis ainsi de suite. Je pense qu'il faut que je descende. Essayer de descendre sans me faire choper. Putain de merde. C'est tendu ça. Ça y est, un mec là. Je sais plus où il faut que j'aille. Ah là. Ok. Ça va, c'est à côté. J'espère que la porte est ouverte au moins. Il fait quoi là? Merde, putain. Ils ouvrent pas leur gueule, les prisonniers. Faut bien chier. Faut dire qu'il vient vers moi. Ah, c'est bon. Nickel. Jordi, j'ai trouvé le planning. Elle est où la cour de promenade? En haut. Oh, on va passer par là, là. Ah, t'es bien. Bien. En haut, en haut. On va en haut. Courir. Merde, tiens, mec. On s'occupe des serrures. Je sais plus maîtriser celui-là. Oh! J'aille où? Merde, faut que je retourne en bas en fait. Je fais nain. Ok. Je crois qu'il faut aller en haut. J'ai de la chute. Je peux peut-être essayer de passer derrière lui. Toujours mode warrior machine. Se cache là. Putain, merde, il a fait une place, quoi. Moi, je fasse gaffe. Hop. Ça t'appelle la sécurité, mon cul. Une caméra. Ça paye aussi, il avait diminué. Si. Ça fait chier tout ça. Oh, il y avait un truc à déverrouiller juste avant. Ok, hop, ah, ben, d'accord. Il y va en plus. Ah, c'est où? Déverrouiller. Voilà. Ok. Piraté. Alors, papapapam. Ça comme ça. Ça comme ça. Celui-là. Comme ça, comme ça. Hop, hop. Et voilà. Si je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Un tatouage sur tout le visage. Mais facile à repérer. Il doit être dans le coin. C'est raté. Mon plan. Notre transfert de prisonniers a raté. Vous êtes le plan B. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce qu'il faudra pour faire parler ce type. Ça marche. Ils étaient comme des frères, c'est n'importe quoi. J'y crois pas, moi non plus. Ça pue l'exécution, cette histoire. Qui ferait un truc pareil? J'ai une théorie. Souhaite changer de sexe, MDR. C'est lui. Je t'ai retrouvé. Ok. Et maintenant, comment te faire partir d'ici? Bonne question. Mais pourquoi je dois être transféré? Et vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Il est où mon avocat? Soyez. Mais répondez-moi! Tu vas la fermer, mais pas ta gueule! Mon avocat! Évaluation psychiatrique en cours. Jamais de la vie! D'abord, faut qu'on te nettoie un peu, monsieur! Je veux pas suivre ta gueule! Putain, ta gueule! Comportement violent, bah ça, merde, ça se voit. Je ferais mieux de le retrouver avant qu'il le tue. Là, il y a un problème. Les gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont au sous-sol, vas-y! T'as
comment c'est tendu, tu veux que je fasse ça comment? Je peux me voir. Ah ouais, putain, il se retourne ce con. Et je me casse. Ah, ça sonne. Bon, comment je fais? Ah, il y a un bouton. Ouh. Téléphone en prison tranquillement. On dirait que la prison sert de couverture pour une opération bien louche. Qui fait respecter la loi, c'est beau quelque part. Les portes sont ouvertes. Personne à cet étage. Aucune alarme a été déclenchée, fais attention. Bordel, qu'est-ce que de mangemerde que vous foutiez au stade? Vous faites du business sans nous ou quoi? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Non! J'ai déjà tout dit. C'est pas un deal. Ok. On nous a appelés. Ta gueule, c'est moi qui vais te baiser. Alors arrête de mentir. On t'avait prévenu, tu veux mourir? T'as pitié, quoi! Je dis la vérité! Je le jure! Je t'en supplie, mec, je te jure! Et ton pote, qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'il est? D'accord. J'en ai un. Je sais pas. Dès que je suis rentré, je vais me faire réaliser. Mais t'as aucune chance! Ah si, voilà. Mais je suis comment, moi? Tu pourrais savoir? Il s'en arme. Je peux le piquer. Je préviens! Je l'ai. Hop, j'en ai deux. Attention, des coups de feu! Bien couvert! Il y est pour ces conneries! Appelez une ambulance! Officier à terre! Quel merdier! Devinez où je suis. Vous êtes à découvert! Planquez-vous! Oh! On me tire dessus! Voilà. Gratté. Hop, notre adhésion. C'est le dernier. Qui se cache par là? Écoute, mec! Hop là! J'ai une femme! On la faute! On va tirer dessus. Je peux vendre. Merde, tu veux que je sois contre ça? Je vais lui régler son compte. Quelle merde. Munition. Voilà. C'est énorme en fait. Putain, je l'avais pas vu.
Le voilà. Au secours, putain! On était entrés, au secours! Comment t'as fait pour entrer, mec? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît? Quoi? On se connaît. Non, non, non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc, t'es ici pour 60 jours. Mais tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là? 60 ans? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler... ou de passer un marché avec les flics. On se comprend. J'ai besoin d'une unité à la blanchisserie. On a perdu le contact. Reçu. On y va. Ok, c'est pas fini. Jordi, ah. C'est fait. Super. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça? Ta réclinette, tu peux pas le louper. Bah, j'avais déjà trouvé. Tranquille. Échec de la reconnaissance faciale. Bon. Appel à toutes les unités. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Bon, bah, j'ai pas le choix. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre un peu pour rien. C'est quoi ça? Oh putain! Mon nouveau projet, c'est de faire élire Rushmore. Je déconne pas! Pour la rentabilité de Bloom, faut qu'on fasse en sorte que ce tocard soit élu. Allez, tout le monde à bord du central! Central, envoyez-moi des renforts! Ça y est, on approche. Tenez bon. Suspect en vue. Avec une arme à feu, j'aurais pas été armé. Arrêtez-vous! Ou on ouvre le feu! Regarde, vous êtes aussi. Officier à terre! Il a vu, non? Il va se cacher, il a peur, c'est bien. Trouillard de merde. Arrêtez-vous, ou on ouvre le feu! Ça m'a envoyé beaucoup des flics ou quoi? Arrêtez-vous, ou on ouvre le feu! Arrêtez-vous, ou on ouvre le feu! Ouais, j'ai compris la première fois. Si j'arrête pas. Il est touché! On est là, on rejoint la poursuite! Sors les cons! T'as peur, hein? T'as raison. Bon, est-ce qu'on va faire un panier de flic là ou celle-là? Merde, il faut de l'aide! Oh putain, non, je suis tombé. Ah, c'est trop con. Putain, une voiture, quoi. Attention, une voiture de... Ici la police, quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Ils m'ont retrouvé? Merde.
Je fuis le pays. Putain. Je peux y arriver. Voilà. Avant le plan a fonctionné. Je reste anonyme. À la limousse. Maintenant, les tueurs de l'ENA. Je veux savoir qui est responsable. Damien m'a parlé d'un deuxième hacker. Quelqu'un qui était au Merlot. Il faut que je découvre ce qu'il sait. Tenue légère terminée. C'est nickel. Quand je pense que la journée avait bien commencé. Mission suivante. Je suis sûr que ça va durer ah, route de progression. On s'en fout de ça. Compétences. Les quêtes à utiliser. Ça a l'air cool. Non. Ouais, on peut essayer ça. Voilà. Puis il me reste deux. Alors, expert en pistolet. Bah, hop, ça c'est bien. Allez, hop. Mission. Le temps. Voilà. Alors, c'est où ? C'est là. Enfin, la mission suivante. Aiden, j'ai pas du tout aimé notre rencontre. Au moins, je t'ai pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hacker professionnel. Et c'est toi le mec des infos. Le justicier. T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot. Mais ça, on savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc... à quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens voir, je t'expliquerai. Dis-moi d'abord, on verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden, dépêche-toi. Ça va, je suis à côté. Putain, la fin! Mais pourquoi faire de même? Je ne devrais pas avoir ça. Hop là. Putain. Ah! Vite à pied. Oups. Alors, c'était quoi? Tiens son petit. Faut que je fasse ça vite. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Acte 2. Je dois jouer là-dessus. Tiens, mon petit. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent. Trop dangereux. Hop. Retournez. Où est-ce que t'es? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Ah merde, faut que je reste. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que des emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Tu ne devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer des images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien! Attention! Un bâtard. Damien, qu'est-ce que tu fous? Albatar, il est chez ma sœur, il a rien à foutre chez ma sœur. Il est complètement dingue. Ah merde, là. Voilà, c'est bon. Merde. Je peux y arriver. Il s'est foutu de moi. Ce fils de pute m'a manipulé. Albatar, m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il fout chez Nikki? Non, il peut pas leur faire de mal. S'il les touche, je le tue, il le sait. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de m'attirer là-bas. Il veut m'obliger à travailler avec lui, à retrouver les types qui nous ont attaqués. Il peut crever. Faut que je me débarrasse de lui. Mmh. On est parti alors. On va le buter. Damien Brinks. Bon, j'arrive. Sœurette.
quel trajet? Quel bâtard. Où est-ce qu'ils sont? Quel gâchis. Tout ça, c'est juste un gros gâchis. Tu sais, la vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nikki, où est-ce que t'es? Nikki! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Mais toi aussi, tu crèves. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont? Y'a que Nikki. Et le gamin... Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est le prix à payer pour Nikki. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est étonnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. D'accord. Où est Jackson? Damien ne l'a pas trouvé. J'espère qu'il a sa tablette. Là, il est dans le métro. Oh merde, quelqu'un est après lui. Damien ne doit pas capturer Jackson. Je dois le protéger. C'est parti. On va chercher Jackson. Allez, je peux y arriver. Je sauve Jackson et après... Nikki. Oh bordel. Il tient Nikki. Je vais pas arriver à temps. Il faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ces types. Ok, pas de soucis. On fouille du terrain, le gamin est forcément là. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. Viens, mon Jackson. Le métro se barre, merde! On va le choper à la prochaine station. Go, go! Restez bloqués! Par là. Ouais. C'est par là. Putain de merde. Je suis pas là. On va me faire bête ici. J'y vais. Mais merde. Pas maintenant, allez, t'as de ferraille. Pas un véhicule désormais. Y'en a pas un point sûr. Sors de là! Non, je veux pas mourir! Je suis pas mauvais. Oh le pauvre. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, voilà un bon véhicule. Dégage, allez! Ok.
sécurité à bord du métro. Bon, ça va, il va t'en. Jackson. Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute, c'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude? Oui, je vous y retrouve. Mm-hmm. Il faut que tu sois courageux, d'accord? Racine. Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Racine. La racine carrée de l'hypoténuse. Non. C'est beau. Bonjour. Ça va, mon lapin? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce? Où est Nikki? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Mm-hmm. Paulson. Allez. Monte. Je me demande s'il y a des contrôleurs dans ces trains. Il n'y a pas de contrôleur, mais... Acte 2, mission accomplie. Ta-ta-ta-ta. Northbound train arriving shortly. Ok, ok. Et bah... Bon, ce sera tout pour cet épisode, hein, que je vous le dise. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ça. Bisous!